un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps à part, ce temps de changement et ce temps de décision que nous remettons au Seigneur. Recevez la grâce, la paix et l'amour de la part de Dieu notre Père, de Jésus le Christ et de l'Esprit Saint. Amen. Cela aussi est vanité et grand mal. Car que reviendra
apprendrait-il à l'homme de tout son travail et de la recherche de son cœur auquel il travaille sous le soleil? Tous ses jours, en effet, sont douleur et son occupation est chagrin. Même pendant la nuit, son cœur ne se repose pas. Cela aussi est vanité. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger, de boire et de faire goûter à son âme le bonheur par son travail. J'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Car qui mangera et qui jouira en dehors de moi? À l'homme, en effet, qui est bon devant lui, il a donné sagesse, science et joie. Et aux pécheurs, il a donné comme occupation de rassembler et d'amasser pour donner à celui qui est bon devant Dieu. Cela aussi est vanité et poursuite de vent. Il y a pour tout un moment et un temps pour toute chose sous les cieux. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous sur cette vérité. J'ai haï tout mon travail auquel j'avais travaillé sous le soleil et que j'abandonnerai à un homme qui sera après moi. Qui sait s'il sera sage ou sot? Il sera maître de tout mon travail auquel j'ai travaillé en me comportant avec sagesse sous le soleil. Cela aussi est vanité. Qui sait? Qui sait ce que feront nos successeurs de ce que nous avons mis tant de temps à bâtir? Voilà une préoccupation bien humaine que nous nous posons tous un jour ou l'autre. Nous travaillons dur pour monter un projet, créer un avenir qui nous semble préférable, pour tisser des liens. Nous mettons tout notre cœur à l'ouvrage, mais qui sait ce qu'en feront les autres après notre départ? Seront-ils sages ou sots? Vanité et poursuite du vent, nous dit Colette. Nous n'avons pas de prise sur le vent, tout comme nous n'avons pas de prise sur les choix qu'auront les générations futures sur ce que nous avons construit. Tout comme nous n'avons pas demandé l'avis des générations précédentes pour faire nos propres choix. S'inquiéter pour le futur conduit au chagrin, nous empêche de dormir ou nous font haïr les autres. Coëlette nous dit « Tout cela est vain, car ce n'est pas ce que Dieu souhaite pour nous. » Il ajoute « Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de boire, et de faire goûter à son âme le bonheur par son travail. » J'ai vu que cela vient de la main de Dieu. Avez-vous remarqué que lorsqu'on est angoissé, on perd l'appétit? L'appétit de manger physiquement et aussi l'appétit de vivre. On aimerait que ça passe vite, que le temps s'arrête ou qu'il accélère afin que l'angoisse disparaisse. Dans ces moments, on est comme mort, paralysé par la peur. La confiance en Dieu disparaît et la joie de vivre et de travailler également. À quoi bon, avons-nous envie de dire, puisque cela peut disparaître du jour au lendemain? Or, le Seigneur nous veut vivants, joyeux et profitant de notre travail. Tout cela ne peut se faire qu'en vivant dans le présent, en étant là, ici et maintenant.
En lisant ce texte de Coëlette, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec l'évangile de Matthieu, où Jésus nous dit « Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Les générations futures seront-elles sottes ou sages? Nul ne le sait, et cela ne nous appartient pas. Nous ne pouvons que faire confiance. Ce qui nous appartient, en revanche, c'est ce que nous construisons aujourd'hui. Ce sont les choix que nous faisons pour nous, maintenant. À quoi bon? À quoi bon faire tout ceci? Je crois que cette question n'est pas la bonne. Elle nous paralyse et nous empêche d'être heureux. Tout le livre de Coëlette nous invite à nous demander plutôt « Est-ce que mes choix vont me rendre joyeux, ici et maintenant ?» Pas dans les décennies à venir, car il nous est impossible de savoir de quoi demain sera fait. Pas pour honorer nos ancêtres, car ils sont auprès de Dieu. Quel choix pour moi, aujourd'hui? Quel choix va me permettre d'être heureux? Ces choix, nous les faisons en fonction des données que l'on possède dans l'instant présent. Et pour notre Assemblée Générale Extraordinaire, voici les données que nous avons. L'Église catholique désire que Saint-Marc continue à être un lieu d'œcuménisme. Ils nous ont donné leur parole, verbale et écrite. Qu'il faut absolument faire des travaux parce qu'il pleut et qu'il vente dans le lieu. Que l'Église catholique nous propose de racheter toutes nos parts et ainsi de financer à elle seule des travaux. Que l'œcuménisme à Saint-Marc, avec l'arrivée de la communauté du chemin neuf, sera différente de celle que nous vivons aujourd'hui, quel que soit notre choix. Aujourd'hui, nous vivons un œcuménisme différent de celui d'il y a 20 ans. Car il y a un temps pour tout, que nous vivons dans un monde en perpétuel changement. Voilà, selon moi, les faits. Maintenant, le choix nous revient. Nous pouvons choisir de garder nos parts. Nous pouvons choisir de les vendre. Nous pouvons tenter de garder une sécurité sur un avenir que nous ne maîtriserons jamais. Nous pouvons tenter le pari de la confiance. Car après tout, qu'est-ce que l'œcuménisme sinon le pari de la confiance? Car il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous les cieux, un temps pour débattre et un temps pour choisir, un temps pour se méfier et un temps pour la confiance, un temps pour retenir et un temps pour lâcher prise. Puissions-nous aujourd'hui faire le bon choix afin de vivre heureux et apaisés dans notre présent. Amen.
Seigneur notre Dieu. Ces trois mots sont une prière. Seigneur notre Dieu. Ces trois mots comme une porte qui s'ouvre. Seigneur notre Dieu. Ces trois mots pour te dire toutes nos angoisses et tous nos espoirs. Seigneur notre Dieu, trois pour te dire notre confiance. Oui, tu es le maître de notre vie. Et comme Jésus nous l'a enseigné, nous voulons aujourd'hui aussi te dire, notre Père, qui es aux cieux, que tu nous sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car si c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, tous les siècles et les siècles. Amen. Il n'y a rien de mieux pour l'homme que de manger et de faire goûter à son âme le bonheur par son travail. J'ai vu que cela vient de la main de Dieu. C'est le Seigneur qui nous bénit et qui nous garde jour après jour. C'est le Seigneur qui nous bénit. Il place en nous sa confiance et nous, nous plaçons notre confiance en lui. C'est le Seigneur qui nous bénit, il nous offre sa paix afin que nous soyons heureux. Amen. Et je vous invite à chanter.